tous et bienvenue sur l'épisode 3 de Minecraft.jar. Donc comme j'avais dit la dernière fois, je me livrais ce qu'il fallait et je ferai en mode survie. Hein. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on commence, dès le départ de l'épisode, à reconstruire la fiole détruite. Alors, en même temps, je suis en train de regarder parce que en fait, vu que c'est à l'identique dans les deux côtés, hein, normalement, on devrait ne pas avoir de problème. Donc on a fait l'accès ici, il y a l'accès là-bas à faire. Et en même temps, non, j'ai rien pour zoomer, c'est ça quand même. Alors, donc là, c'est 2. Là, c'est. Donc, la dernière fois aussi, on avait trouvé un donjon hein, qui m'avait assez surpris quand même, sur le coup. Surtout qu'on a trouvé une witch dedans. Je me suis peut-être un peu givé trop de verre, mais pour mieux en avoir plus que pas assez. Hein. Aïe, ça fait mal. Hop. Oh, j'ai plus de verre que de raison. Yeah. Alors je serai regardé. Oh, à mon avis, il va y avoir un petit problème. Ça va être l'identique dans les deux côtés. Oh, finalement, elle est réparée. Ouais, hop. Ah non, pas là-haut. Là-haut, elle est pas réparée. En fait, disons que là-haut, il devait pas y avoir autant de verre. Ça vient du créateur de la map. Mais je sais pas comment il s'est débrouillé hein, pour. Oh, il y a un truc là. Ah, non. Je croyais qu'il y avait que c'était un bouchon où il y avait du verre dessus. Alors, voyons. Off. On dirait que c'est bon. C'est nice. Il m'a fallu même pas un stack pour faire. Game mode 0, tac, on récupère ce qu'il y avait. Pourquoi je voulais mettre deux coffres? Ah ouais, ici, donc, hop, on récupère, on récupère. J'ai juste pensé encore à ça. Enfin, en tout cas, sur cette map, je suis bien content qu'il n'y ait pas de silverfish au moins. Parce que là, au secours, avec l'épisode de Cube Survival, les Silverfish, j'en rationne. Donc je sais, c'est du spoil pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, mais voilà, quand même, quand on voit le nombre de Silverfish que j'ai dû fight dans l'épisode. Alors, hop, on va peut-être enlever toute la terre, je sais pas. Voilà, enlever simplement la couche de pierre qu'il y a. Voilà. Enfin, je crois que j'ai plus me préoccuper comme dans Cube Survival de faire les accès peut-être. Ouais, je crois que je vais faire ça. Créer que les accès et après je m'occuperai des fioles au vraiment au goutte à goutte. Vraiment dans la mine ici que je pourrais. Voilà, hop, on va tout déposer dans un coffre. Parce que je crois qu'ici je peux pas garder le stuff si je me viande. Je suis plus sûr. Je sais même plus quelle commande j'ai si j'avais mise ou pas. Les éponges, il faut qu'elles restent ici. La cobble, elle vient avec moi. Tout le reste, ça va là. Oh, le grip. Ah, je préfère quelque chose avec. Ça reste là, les coffres aussi, ça aussi. Les outils, ça reste avec moi. Les bâtons aussi. Ouais, garder les morceaux de bois parce que ça va être la dèche. Et je n'ai pas embarqué, je crois, de table de craft. Ah,
Je suis en train de me dire qu'il manque peut-être un petit morceau là. Bon, ça je le ferai vraiment tout à l'heure, pas grave. Pourquoi la nuit? C'est pour me faire chier ou quoi aujourd'hui? Oh, la nuit m'en veut là aujourd'hui. Hop, voilà. Moi j'ai mal foutu ce que j'ai. Les animaux ils restent là-bas pour l'instant, je les touche pas. Je tiens à leur vie. Ah ça, vous avez du stuff en diams que j'utiliserai pas encore. J'ai du diamant, plus savoir quoi en foutre. J'embarque un peu de fer. Voyons, pour refaire des pioches, 3, 6, 7, 8, 9, 10, allez, voilà, j'embarque 10 fer avec moi. J'embarque voilà ça. Tac tac tac, je crois que c'est bon. Surtout que j'ai trouvé tous mes minerais là. Moi je suis sûr de plus les perdre. Et j'ai pas assez pour faire de la bouffe. Oh putain. Mais j'ai assez pour refaire des dalles. De la bouffe en pastèque. Oh là là, j'aime pas quand ça spawn. Tant pis. Tant qu'il faille faire des deux métal. Oula, il y a de la lave là-bas. J'ai une idée d'escalier, moi. Donc, avant qu'il y ait une certaine. Certains qui disent. Ah, mais tu copies. Hunter Bleacher, je crois, c'est il s'appelle, ouais. Hunter Bleacher et New Titeuf. Non, certes, ils ont fait un pont à peu près à l'exactitude, mais moi, je vais le faire vraiment correctement. Et je vois un Enderman. Ouais, un truc long, noir. Comment se tromper? Alors, bof, le pont, il va mettre du temps à faire. Hein. Parce que Hunter Mitcher et New Titeuf, eux, l'ont fait à l'arrache leur pont. Moi, je vais le faire dans le vraiment correctement. Que j'ai fait au taquet de slab. Je suis obligé de sauter à chaque fois pour ça. Mais genre, mon personnage il est si gros que ça ou quoi? J'élargirai vraiment bien plus une fois que tout sera bon. Ah,
ça va être long, hein. Phew. Let's go. Eh ben, il va bien. Alors, attendez, je vais essayer quelque chose. Ah ben, c'est bon. Alors ça me pensait qu'il faudrait que je pose peut-être des torches parce que sinon c'est que je tiens plus à ma vie à force. Ça rebondit. Hop, donc j'ai mis 1, 2 et 3 escaliers. 1, 3 escaliers. 1, 2, 3 escaliers. 1, 2, 3 escaliers. Voilà, au moins déjà on voit un peu mieux. J'ai un doute que j'aurai assez de slab là d'un coup. Bof, ça va tomber, ça va pas tomber pile au milieu de la fiole, mais bof. C'est la chemise à reclire. Je ne veux pas de pluie sur les jeux. Je déteste la pluie dans ces jeux. Alors, hop. 3, 2, 3, hop, voilà. Oula, il y a du people là-dedans. Ça m'attend. 1, 2, 3. J'ai un doute. Non, je peux encore monter. Maintenant, on va faire le pont de travers. J'entends que ça crame. Ah bah, je crois que c'était pile dans l'angle.
ça spawnera pas. En fait, je suis en train de me dire que ce que je viens de faire, c'est un peu dangereux. Sur ce coup-là, fou. Chaud. Alors. Voilà. Tac. On va mettre vite fait des slabs dans les côtés. C'est vraiment le coup pour tomber. Chaud. Chaud, chaud, j'ai failli me viander. Voilà. Là déjà, ce sera pas un coup à tomber, quoique j'aurais pu faire un peu plus haut, mais bon. Nine. Ah, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un générateur ou quoi là? Voilà. Qu'est-ce que c'était que ce coup là? Ça explose partout. Mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Le plein. Allez, du calme. Ce n'est que des creepers. J'en ai marre des creepers. Je déteste les creepers. Regardez, vous voyez, la maison ne ressemble plus à rien. Surtout qu'il n'y a pas un villageois. C'est quoi ce problème? En même temps, il faut m'expliquer pourquoi il n'y a pas de torche. Parce que alors là, pfiou. Donc c'est bon, ça n'a pas cassé le... Moi je vais ici. Non, pas un mob. En fait, je vais pas continuer à fouiller parce que je le sens très mal. Non, là il y a un champ. Là voilà, il n'y a personne. Là aussi ça a explosé. Et ça, ça vient pas de moi. Oh, ce bouchon par contre m'intrigue. C'est quasi obligé qu'il y ait quelque chose sur ce bouchon. On laisse. Je vais laisser ça là. Hop, je récupère par contre ce qui permettrait de faire de la bouffe. Bon, je referais plutôt ailleurs spawner des villageois, parce que je sais pas si c'est logique qu'il n'y ait pas de villageois là-dedans. Enfin, je verrai bien. La vie, ça doit être sur toutes les, sur tout le monde que ça fasse ça. Bon bah là, la maison elle a littéralement explosé. Hein. Payons. On transforme ça.
là, je m'en fous. Voilà. Oh, les maisons aussi, je suis obligé, sinon ça va spawner là-dedans. Limiter vraiment les spawns au max que je peux. Voilà. Regarde. Bof. Bof, 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 bof. Sur la découverte d'un village vide comme le comme un village fantôme, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et je vous dis à la prochaine et passez une bonne semaine. Allez, bye!